Voilà, bonsoir à tous les internautes de actualité.cd. C'est les 9e jeux de la francophonie à Kinshasa que nous vous faisons vivre. Alors ce soir pour la partie culturelle, elle a été un petit peu marathonienne parce que les concours ont évidemment démarré aujourd'hui. Côté culture, certaines disciplines ont eu que le temps de faire des répétitions, mais certaines d'autres disciplines, évidemment, ont commencé les compétitions. Pour les disciplines qui ont fait que des répétitions, il y a à l'exemple de ceux de la jonglerie avec ballon, il y a ceux de la danse hip-hop qui se sont entraînés à la place de l'échangeur où se tiendra évidemment leur concours aussi dans les prochains jours. Nous vous communiquerons le programme et les concours qui ont commencé les compétitions. Il y a les comptes, il y a la peinture, la sculpture, la photographie et la création numérique. Pour ce qui est de la peinture, la sculpture et la photographie, les activités se sont tenues au Musée national de la RDC où les artistes qui participent au concours ont exposé leurs œuvres. Ils ont exposé leurs créations et cette exposition ira jusqu'au 6 août, jour de la clôture des activités. Et pour la discipline création numérique, les activités se sont tenues à l'Institut français de Kinshasa et le Congolais qui représente, celui qui représente le Congo, Paul Malaba, a bel et bien fait sa projection. Il a bel et bien fait sa production, présenté sa production au public qui était présent. Et la dernière activité de la soirée, c'était le conte qui s'est tenu au Centre Wallonie-Bruxelles. Cinq artistes conteurs ont presté, mais le Congolais va prester ce dimanche. Le Congolais n'a pas encore commencé. Cinq artistes des différents pays, dont le Canada, le Cameroun, le Burkina Faso et deux autres pays, ont presté devant le public et leur productions seront appréciées par un jury qui va sélectionner 5 pour les demi-finales et 3 pour la finale. Et les résultats ne sont pas encore communiqués à ces jours de ceux qui sont qualifiés en attendant que les deux autres poules de 5 conteurs chacune puissent évidemment prester. Donc pour la discipline de compte, il y aura une prestation ce dimanche et une autre lundi. Mais à la fin de la prestation des compte ce samedi, nous avons rencontré quelques artistes conteurs qui étaient sur scène, dont une artiste burkinabé et une artiste burundaise qui se sont exprimés au sujet de leurs prestations, de leurs émotions et également ils ont parlé de la ville de Kinshasa. Je vous prie d'écouter cet élément. Je me nomme Moumoula Anasamira et je viens du Burkina Faso. Eh bien, il faut dire que c'est ma première fois de participer aux Jeux de la Francophonie. Donc, ce fut un énorme plaisir d'avoir participé à ces jeux-là, de rester devant toutes ces personnes, différentes nationalités, et de côtoyer aussi d'autres artistes d'autres pays. Donc, je suis très, très heureuse. Peu importe le résultat, eh bien, je pense que je ressortirai de cette aventure très grande. Je m'appelle Ineza Karbi et je viens du Burundi. Je suis dans le camp. Je me sens très, très fière et très heureuse d'avoir pu participer aux jeux, d'avoir représenté mon pays et visiter Kinshasa. Mon histoire parle d'un petit garçon, normal comme tous les petits garçons, mais qui a un défaut et très gourmand. Ça parle du lien qu'on a avec les animaux, parce que dans ma culture, au Burundi, on a un lien sacré avec les animaux, surtout les vaches et les chèvres.